Bonjour à tous et merci d'être encore là cette semaine. Merci de me suivre chaque semaine, de suivre les informations que je vous partage chaque semaine. Moi, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve à chaque fois pour vous partager de nouvelles choses. Cette vidéo signera la fin du mois d'août, puisque quand je vais la publier, on sera le dernier week-end du mois d'août. Qui veut dire dernier week-end du mois d'août veut dire que c'est aussi bientôt la rentrée. Donc j'espère que vous avez bien profité de vos vacances et j'espère que vous êtes aussi tous très motivés pour cette nouvelle rentrée. Je fais une petite aparté avant de parler de la vidéo. Je viens de lancer mon tout premier livre digital, qui est un livre digital gratuit, justement pour vous préparer à passer une très très belle rentrée. Il se nomme « Mon compagnon de rentrée ». À l'intérieur, il y a des défis pour se surpasser, il y a de l'introspection, il y a du bien-être, il y a des citations, il y a des challenges, il y a du sport. Chaque jour, il a été vraiment conceptualisé pour que chaque jour, soit quand vous vous levez, soit quand vous vous couchez, c'est à vous de faire votre rituel, vous pouvez lire l'information du jour. Le but est vraiment de vous accompagner pendant tout le mois de septembre avec une information, de l'introspection, de l'empourvoirement chaque jour. Pour revivre une rentrée motivée, une rentrée super belle, une rentrée où en fait on est content d'être au mois de septembre et qu'on est content de ne plus être au mois d'août, même si être sur la plage c'était super bien. Je l'ai voulu intense, je l'ai voulu profond, je l'ai voulu léger. Le but est vraiment que ce livre vous donne envie de prendre au moins 5 minutes de temps chaque jour pour vous. Au fur et à mesure, on augmentera ce temps. J'espère que prochainement, parce que j'ai une autre idée et un autre projet que j'espère sortir pour le début d'année, cette fois-ci, ce ne sera pas pour une rentrée motivée, mais plutôt pour un début d'année vraiment bien lancé et vraiment à fond. J'espère que j'arriverai à vous faire prendre encore plus de temps pour vous chaque jour, plus que 5 minutes. Mais là, c'est juste 5 minutes. 5 minutes pour vous chaque jour. C'est léger, c'est profond, c'est intense. C'est comme ça que moi je l'ai vécu, je sais pas quel mot vous aurez envie de lui donner. En tout cas, j'ai hâte de savoir quel mot vous pouvez lui donner une fois que vous l'aurez lu, une fois qu'il vous aura accompagné chaque jour. J'espère qu'il vous fera plaisir et j'espère qu'il vous donnera envie. Et surtout, j'espère qu'il vous fera vivre une rentrée comme vous n'avez jamais vécu. Le lien est juste en dessous si jamais. Ce sera vraiment avec un énorme plaisir de vous accompagner pour tout ce mois de septembre. Pour aujourd'hui, nous allons parler de la peur de l'échec et de la peur de la réussite. On ne va pas les éloigner, on ne va pas les contrer, on va plutôt les relier. Parce que finalement, elles ont plus d'atomes crochus et elles sont plus qui se ressemblent s'assemblent. Déjà en premier lieu, la peur de la réussite et la peur de l'échec, elles peuvent être reconnues en fait par les mêmes symptômes. Vous voyez, quand vous avez un rhume, vous avez le nez qui coule, vous avez un peu la tête dans le coton, ce sont les symptômes d'un rhume. Ici, les symptômes pour la peur de la réussite ou la peur de l'échec, en fait, ils sont exactement les mêmes. Je vais vous les donner et peut-être que du coup, en les écoutant, vous allez vous les dire. Punaise, mais oui, je les ai ressentis tellement de fois ces symptômes. On est d'accord que vous n'êtes pas obligé de tous les ressentir, vous pouvez en ressentir 1, 2, 3, ou vous pouvez tous les ressentir aussi. Vous ne saviez pas forcément à quoi les identifier, vous ne saviez pas exactement pourquoi vous ressentiez tout ça, ben maintenant vous le saurez. Ensuite, ce sera à vous de faire le travail par la suite pour savoir si c'est plutôt par peur d'échec ou par peur de réussite. Et ça peut clairement être aussi par peur des deux. On n'ose pas se lancer, on n'ose pas faire les choses parce que on a peur d'échouer, comment on va faire si on échoue, et en même temps on a peur de réussir parce que comment on va faire si on réussit. Parce que dans les deux cas, la peur de l'échec et la peur de la réussite, ça va apporter un changement. Ça va apporter un changement, ça va nous mettre sûrement dans une insécurité parce que ça va changer notre zone de confort, ça va changer notre monde. En fait, ça va perturber notre cerveau, ça va perturber notre intérieur, ça va perturber la zone de confort dans laquelle on est. Donc quoi qu'il arrive, en fait, les deux font peur et c'est pour ça qu'elles se ressemblent et qu'elles s'assemblent parce qu'elles appuient toutes les deux sur la même chose, la peur du changement. Et du coup, qui dit peur du changement dit peur de ne pas réussir à gérer. Donc, on a les mêmes symptômes pour les deux. Est-ce qu'on est plus guidé par la peur de l'échec? Est-ce qu'on est plus guidé par la peur de réussite? Est-ce qu'on est guidé par les deux en même temps? Ça, c'est à vous de le savoir et vous le saurez au fur et à mesure. Et même si vous ne le savez pas, à la rigueur, je pense que c'est pas forcément la chose la plus importante. La chose la plus importante, ça va être de reconnaître les symptômes, de savoir pourquoi. Pourquoi? Par quel manque et par quel besoin on active ces deux peurs?
et quelles petites peurs sont imbriquées dans ces grandes peurs. En fait, l'important, ça va être de reconnaître qu'en effet, on a des symptômes de peur de l'échec ou de peur de la réussite. De savoir pourquoi on peut avoir ces symptômes, de savoir pourquoi on s'auto-sabote tout seul, qui est le premier symptôme de la peur de la réussite, mais aussi de la peur de l'échec, de l'accueillir, de l'accepter, de savoir reconnaître que, ok, je suis en train de ressentir ça. Et ensuite, on va faire comme à chaque fois qu'on accueille quelque chose dans notre vie. Vous pouvez aller écouter les podcasts et les vidéos que j'ai fait sur l'intelligence émotionnelle, sur l'indépendance émotionnelle, sur comment réussir à gérer ses émotions et comment réussir à les accueillir. Aussi le podcast que j'ai fait sur le questionnement intérieur. Parce que l'on parle d'une peur, que l'on parle d'une émotion, que l'on parle d'un ressenti, c'est toujours le même procédé. On l'accueille, on l'accepte, on prend conscience en fait qu'on est en train de ressentir ça. Et ensuite, on le transforme et on le transcende. Ok ? Donc les symptômes. Comme je l'ai dit juste avant, il y a l'auto-sabotage. Peur de réussite, peur de l'échec, auto-sabotage. Parce que forcément, si on s'auto-sabote, ça nous fait perdre du temps. Forcément, si on s'auto-sabote, ça veut dire qu'on n'est pas dans notre plein potentiel. Ça veut dire qu'on ne met pas toutes les chances de notre côté, que finalement, on n'ose pas à la grandeur avec laquelle on pourrait oser. Donc l'auto-sabotage, finalement, il nous fait rester sur place. Il ne nous fait pas forcément avancer. Donc du coup, il n'y a pas de peur d'échec ni de peur de réussite. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de risque plutôt qu'il y ait de l'échec ou qu'il y ait de la réussite. Parce que de toute façon, on s'auto-sabote tellement que l'on reste sur place. Donc le deuxième symptôme, c'est l'immobilisation. Vous voyez ? On tourne en rond. Parce que tant qu'on tourne en rond, qu'on s'auto-sabote, qu'on reste immobile, a priori, il ne pourra ni avoir de réussite ni avoir d'échec. Donc tout est OK. Du coup, on ne se sent pas forcément mieux parce qu'au final, on fait du sur place. Mais en tout cas, par rapport à notre peur de l'échec et par rapport à notre peur de la réussite, aucun risque que l'on ait soit de la réussite, soit de l'échec, parce que de toute façon, on reste sur place. Donc du coup, rester sur place, ça veut aussi dire qu'on se la joue petit. On se la joue petit, on se cherche beaucoup d'excuses et on est vraiment dans un perfectionniste maladif. Parce que toujours pareil, on veut gagner du temps. C'est jamais assez bien, donc du coup, bah voilà, on va toujours essayer de le rendre de plus en plus parfait. On se trouve des excuses de pourquoi je l'ai pas fait tout de suite, pourquoi je l'ai remis au lendemain, pourquoi je me la joue petit. Toujours pareil, parce qu'en fait, on s'auto-sabote et qu'on reste immobile, comme ça, tant qu'on se la joue petit, tant qu'on reste immobile, tant que l'on est dans la procrastination aussi, un autre symptôme, qu'on est dans l'immobilisation, tant qu'on est en fait dans cette forme de... Voilà, je reste là, je fais un peu du surplace, je me cherche des excuses, je joue petit, je procrastine, je m'auto-sabote. Et bon, au moins, on n'avance pas. Donc, il n'y a aucun risque qu'on ait soit de l'échec, soit de la réussite. Ok ? On peut aussi ressentir comme symptôme, en fait, la peur de ne pas réussir à assumer ses responsabilités si, par exemple, on échoue ou si, par exemple, on réussit. Ça peut être aussi un des symptômes. Mais pour moi, je la rentrerais plutôt dans une case, je la mettrais pas forcément dans les symptômes. Mais si vous ressentez ça, la peur de ne pas réussir à assumer vos responsabilités si vous échouez ou si vous réussissez, ça peut être aussi un symptôme que vous avez peur de la réussite ou de l'échec. À votre avis, pourquoi une peur de l'échec et une peur de la réussite peut naître ? Quel manque et quel besoin que l'on a toujours dans notre vie, quelles croyances aussi, peuvent dicter en fait ces deux grandes peurs qui sont les peurs de l'échec et les peurs de la réussite. Elles peuvent être rythmées par le fait que, en tant qu'être humain, on a souvent besoin d'appartenance. On a un très très fort besoin d'appartenance, c'est pas le cas forcément de tout le monde, mais vu que nous sommes quand même des êtres qui sont indépendants mais qui sont quand même très connectés et très reliés, on a besoin d'appartenir à un groupe. On a besoin de sentir qu'on appartient à une communauté, qu'on appartient à une société, qu'on appartient à un groupe d'amis. Parce qu'on n'a pas envie d'être seul. On a besoin d'interconnecter, on a besoin d'être connecté avec les gens, on a besoin d'échanger avec les gens, on a besoin d'être relié à des personnes, d'être relié à des choses. Et donc ce sentiment et ce besoin d'appartenance peut être en fait un besoin ou alors une peur de manquer qui peut ensuite découler sur la peur de la réussite et la peur de l'échec. Je m'explique un peu plus. Vous avez tellement besoin d'appartenir à ce groupe que vous vous dites « Non mais si j'entreprends quelque chose qui va changer », parce qu'en fait on parle toujours de changement, la peur de la réussite et la peur d'échec vient de ce côté-là, changement qui fait que forcément on va vers l'inconnu donc on a peur, on se dit « Est-ce que je pourrais encore appartenir à ce groupe ?»
Et du coup, on a tellement besoin d'appartenir à ce groupe parce que notre besoin d'appartenance est tellement fort qu'il prend le dessus sur notre envie de potentiellement essayer de réussir ou d'échouer. On préfère pas essayer parce qu'on se dit, si j'échoue ou si je réussis, peut-être que je pourrais plus appartenir à ce groupe et moi j'ai trop besoin d'appartenir à ce groupe. Ça peut être aussi par manque. Dans l'autre sens, justement, on se dit, mais si j'échoue et si je réussis, je vais être en manque de ce groupe, en manque de cette appartenance qui m'est chère. Vous voyez, c'est pour ça que ça peut, on peut dire que c'est rythmé par des besoins ou par des manques, selon dans quel côté on se place. Ensuite, peur de l'échec et peur de la réussite peut être totalement gouvernée par le fait que vous avez tellement envie de tout gérer tout seul, que vous voulez absolument prouver que vous pouvez y arriver, que du coup après cette peur de la réussite et cette peur de l'échec naît, parce qu'en fait vous voulez tellement vous prouver déjà à vous-même que vous pouvez gérer, que forcément, et ben cette peur de l'échec elle fait super peur, parce que du coup bah, si j'échoue, ça veut dire qu'en fait je montre au monde que je suis pas spécialement capable de gérer. Vous voyez, je me montre à moi, mais je montre au monde aussi que je ne suis pas forcément capable de tout gérer. La peur de la réussite, ça peut être pareil. Parce qu'en fait, si je réussis, j'aurai encore plus de choses à gérer. Est-ce que je vais réussir à toutes les gérer? Pas sûr. Et vu que je veux absolument me prouver à moi que je peux tout réussir, que je peux tout gérer, et que ensuite, ça aussi, je veux le prouver au monde, bah du coup, la réussite, elle fait peur. Parce que la réussite, même si on a tous envie de réussir, elle reste quand même floue et elle reste quand même inconnue. On ne sait pas comment on va réussir à gérer une fois qu'on aura échoué ou une fois qu'on aura réussi. Ok ? L'inconnu, c'est ça. C'est le grand maître de ces deux peurs. L'inconnu. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas ce qu'on va gagner. On ne sait pas ce qu'on va perdre. Et surtout, on ne sait pas comment on va réussir à gérer une fois qu'on aura gagné ou perdu ceci ou cela. Donc, vu qu'on veut prouver à soi et prouver au monde que l'on peut gérer automatiquement, vu qu'on ne sait pas comment on va être, soit dans l'échec, soit dans la réussite, on a peur, ok? Et ça nous bloque. Donc ça, c'est une petite peur qui peut faire naître la grande peur de l'échec et de la peur de la réussite. On en revient aussi à ce que je vous disais juste au début, que tout est rythmé par le changement et par l'inconnu. À la base, notre cerveau, il cherche la sécurité et il cherche le plaisir. Et automatiquement, quand on tend vers quelque chose de nouveau, vers un nouvel objectif, on le sort de sa zone de confort. Donc on le sort de sa zone de sécurité et à l'instant T, on peut potentiellement le sortir de sa zone de plaisir. En tout cas, lui, c'est ce qu'il peut croire. Parce que là, à l'heure actuelle, dans la situation dans laquelle il est sécurisé. Il sait comment se faire plaisir, il sait qu'est-ce qui lui fait plaisir de visualiser un nouvel objectif, encore une fois la peur de l'inconnu, mais quand je serai là-bas, est-ce que je vais forcément retrouver ma sécurité? Est-ce que je vais forcément retrouver des plaisirs? Parce que là, je sais pas. Je sais pas quand je serai là-bas comment je vais pouvoir me faire plaisir et comment je vais pouvoir me sécuriser. Donc, peur du changement, peur de l'inconnu, le cerveau il s'emballe, il n'aime pas du tout, il panique, peur de l'échec ou peur de la réussite qui naît ensuite. Ok? On peut avoir peur aussi de l'échec ou de la réussite par souci de vulnérabilité. En fait, on est tellement attentif au regard que les autres ont de nous, on est tellement attentif plutôt à ce que les gens pensent de nous, à la valeur qu'on peut voir dans leurs yeux, qu'on n'a surtout pas envie d'être vulnérable. On n'a surtout pas envie en fait de se rendre compte que si on réussit, on n'arrive pas à gérer parce que c'est trop d'un coup et que du coup peut-être qu'on va passer par une période compliquée. Et que si on échoue, c'est pareil, on va forcément être triste, on va forcément être déçu, on va forcément être un peu en colère sur le coup. Et donc ça amène à être vulnérable. Et on est tellement attentif au fait de ce que les autres pensent de nous, on a tous envie de paraître super fort, on n'a surtout pas envie de paraître faible. Parce que la vulnérabilité, on l'associe souvent à de la faiblesse. On a tellement peur de ça qu'on ne veut surtout pas essayer soit de réussir, soit d'échouer, parce qu'on en revient toujours au même. On ne sait pas comment on va réussir à gérer telle ou telle situation une fois qu'on y sera. Peut-être que ça nous demandera d'être vulnérable, peut-être que ça nous demandera de se montrer faible et de demander à notre entourage, aux gens pour qui c'est important pour nous de voir quelle valeur on a dans leurs yeux, de nous soutenir, de nous épauler parce qu'on a réussi et qu'on n'arrive pas à gérer ou parce qu'on a échoué et qu'on n'arrive pas à gérer non plus. On veut tellement pas en arriver à là que du coup, ben, auto-sabotage, on retourne aux symptômes de juste avant, peur de l'échec, peur de la réussite, on arrête, on reste là, on reste dans notre zone de confort, comme ça, a priori, on n'a pas besoin d'être vulnérable, ok? Quoique, si on creuse un peu, a priori, si la situation dans laquelle on est à l'heure actuelle, elle nous convient pas, parce que si on a décidé de se donner un objectif, c'est que a priori,
On a envie de quelque chose de nouveau, donc a priori ce qui est là à l'instant T ne nous convient pas forcément. Donc ça veut dire qu'on n'est pas spécialement bien à ce moment-là. Mais à ce moment-là, du coup, on se dit qu'en restant dans notre zone de confort, on reste quand même dans du connu, le cerveau s'emballe moins, on a l'impression qu'on a moins besoin d'être vulnérable. Alors qu'en soi, même à ce moment-là, si on ressent une très forte peur de la réussite ou une très forte peur de l'échec, intérieurement, on va pas être bien. On va pas être bien, et du coup, déjà à l'instant T, là, avant d'être dans l'échec ou dans la réussite et qu'on sait pas comment on va réussir à gérer, a priori, ce serait hyper utile pour nous d'être vulnérables et d'en parler à son entourage. D'en parler à son entourage et d'attendre que notre entourage nous épaule, nous soutienne et peut-être nous aide à nous construire des ailes pour aller vers cet échec, et vers cet échec ou cette réussite. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la peur d'être vulnérable qui peut du coup empêcher de vouloir faire cet objectif par peur d'échec ou par peur de réussite. En soi, je pense qu'à l'instant T, là tout de suite, sans parler de peur d'échec et de peur de réussite, la peur d'être vulnérable, à mon sens, je pense qu'on l'a vraiment très souvent et trop souvent en fait. Moi la première. Et en sens plus large, sans forcément parler de la peur d'être vulnérable et de la peur de se montrer faible face à notre entourage une fois qu'on aura soit échoué, soit réussi, ou là tout de suite à l'instant T par rapport à justement cette peur de la réussite et de l'échec qui nous prend et qui nous immobilise sur place. En règle générale, quand même, on attache vraiment beaucoup, beaucoup d'importance à ce que les autres vont penser de nous, à la valeur qu'on voit dans les yeux des autres. On accorde beaucoup d'importance à la validation extérieure. Et donc, du coup, si là, à l'instant T, a priori, on est plutôt satisfait de la validation, de ce que les autres pensent de nous, encore une fois, le fait de changer, de tout bouleverser, ça fait peur parce qu'on se dit, mais une fois que j'aurai réussi ou une fois que j'aurai essayé et que j'aurai échoué, est-ce que je vais toujours voir cette petite lueur dans leurs yeux? Est-ce qu'ils vont toujours me valider? Est-ce qu'ils vont toujours m'aimer? Est-ce qu'ils vont toujours être d'accord avec moi? Est-ce qu'ils vont toujours être avec moi? Est-ce qu'ils vont toujours me prendre comme quelqu'un de valeur? Si auquel cas j'échoue, est-ce qu'ils vont pas se dire qu'en fait j'ai aucune valeur? Est-ce qu'ils vont pas se rendre compte qu'en fait je suis nulle? Et là, c'est vraiment guidé par, en fait, est-ce que si je change d'objectif, si je réussis, bah, est-ce qu'ils vont encore m'aimer? Si j'échoue, bah, du coup, est-ce qu'ils vont encore se rendre compte de ma valeur et est-ce qu'ils vont encore m'aimer? Donc vraiment, cette peur de ne pas être aimé, cette peur, en fait, de plus avoir cette validation et cette attention, ce jugement positif que, a priori, à l'instant T, on trouve dans le regard de ceux qui nous entourent, ça nous bloque et on préfère pas essayer parce qu'en même temps, on a trop peur du regard des autres qui pourraient changer sur nous. Ok? Donc on reste là. Donc en fait, pour résumer, toutes les choses qui se coordonnent pour faire qu'on a soit peur de l'échec, soit peur de la réussite, qui débouche ensuite sur les symptômes que je vous ai cités au début, c'est plein de petites peurs. Pour les résumer, en fait, c'est la peur du changement. Ça, c'est sûr, c'est la peur du changement. Inclut ensuite la peur de ne pas savoir gérer une fois que je serai dans ce changement. Donc, la peur de ne pas savoir gérer si j'échoue ou alors si je réussis. La peur de ne pas réussir à assumer ses responsabilités, ok? Parce que si on échoue, on va devoir assumer les responsabilités que oui, j'ai échoué, j'en prends la responsabilité. Je prends la responsabilité aussi de potentiellement ressentir de la tristesse, de ressentir de la colère, de ressentir de la déception. Si je réussis, il faut aussi que j'endosse certaines responsabilités parce que peut-être que je vais être différent, peut-être que je vais être moins disponible par rapport à comment j'étais avant. Il faut que j'accepte et que j'assume aussi la responsabilité de ressentir de la fierté et de l'assumer, de la vivre cette fierté, de vivre cette joie d'avoir réussi. Parce que des fois, les autres peuvent aussi nous juger quand on réussit et qu'on est content d'avoir réussi. Donc vraiment, cette peur de devoir prendre ses responsabilités dans un des deux cas. La peur de décevoir son entourage. Parce que si j'échoue, et ben en fait, peut-être que je vais les décevoir. Ça revient à ce qu'on disait juste avant. L'attention vraiment qu'on porte à ce que les autres pensent de nous. Donc si je les déçois, comment ça va se passer? Et si je réussis? Du coup, peut-être que je vais changer, peut-être que je vais être différente, peut-être que je vais pas être au même niveau de vie que ce que eux ils vivent et ce que eux ils ont vécu toute leur vie et le niveau de vie auquel moi je vivais jusque là. Du coup, je vais peut-être devenir une personne différente. Est-ce que si par exemple je deviens super riche grâce à l'idée que j'ai eue, est-ce qu'ils vont toujours me voir de la même manière? Est-ce que du coup on va toujours réussir à être ensemble? Est-ce qu'on va toujours réussir à s'aimer?
Ça rejoint aussi le besoin d'appartenance dont on parlait juste avant. Ça peut être la peur du jugement au sens large, pas forcément de notre entourage très proche, mais au sens large, le jugement d'autrui. S'ils savent que j'ai échoué, est-ce qu'ils vont me mettre à terre? Est-ce qu'ils vont me juger? Est-ce que je vais réussir à gérer les critiques, à gérer les jugements? Est-ce que si je réussis, je vais réussir à gérer tous les jugements que je peux avoir aussi? Parce que quand on réussit, les personnes, des fois, elles nous jugent. Ça peut être la peur de juste soi, ne pas se reconnaître, la peur du changement juste de soi envers soi. Est-ce qu'une fois que j'aurai réussi, a priori, potentiellement sur plein de choses, peut-être que je serai une autre personne, je serai toujours moi, mais en tout cas dans une nouvelle identité. Est-ce que je vais réussir à gérer ça? Est-ce que je vais réussir à me reconnaître et à rester avec moi-même? Et si j'échoue? Si j'échoue et que je me vois plus bactère pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, est-ce que je vais réussir à gérer de moi-même envers moi-même, à me voir dans cette situation-là? Donc ça peut être aussi la peur juste du changement de soi envers soi. Vous voyez? Pour moi, ça, c'est toutes les grandes peurs qui du coup répercutent sur les manques et les besoins qu'on a cités juste avant et qui ensuite du coup nous donnent les symptômes que l'on a vus juste avant. Donc je vous ai d'abord décrit les symptômes pour que vous ayez, que vous puissiez prendre conscience tout de suite de oh, mais oui j'ai tous ces symptômes là, donc peut-être qu'en effet je ressens de la peur et de l'échec. Pourquoi j'ai pu ressentir de la peur et de l'échec? Par quel manque et par quels besoins qui ne sont pas assouvis? Ou par quel manque et quels besoins qui ne seront plus assouvis si a priori j'échoue ou si a priori je réussis? Et du coup, en résumé, toutes les petites peurs qui peuvent faire naître cette grande peur de l'échec et de la peur de la réussite. J'espère que cette vidéo aura été claire. J'espère que si vous ressentez de la peur de l'échec ou de la réussite, vous allez réussir à l'identifier. Que vous allez réussir à transcender et à transformer ce que vous ressentez. Parce que quoi qu'il arrive, chaque jour est nouveau. Même si là, tout de suite, quand on ne se fixe pas de grands objectifs, bien entendu, a priori, on ne sort pas spécialement de notre zone de confort et on ne sort pas spécialement de ce qui nous est connu. Mais chaque jour est quand même un jour nouveau. Chaque jour nous apporte des choses. Chaque jour, il peut nous arriver des éléments extérieurs, positifs ou négatifs, que l'on va devoir gérer. Et à chaque fois, on arrive à les gérer. Plus ou moins vite, plus ou moins rapidement, plus ou moins facilement, de manière plus ou moins compliquée. Mais on arrive toujours à avancer, on arrive toujours à s'élever, on arrive toujours à grandir. On arrive toujours à dépasser l'obstacle et même parfois à s'en servir comme un levier super fort. Sans objectif forcément qu'on se fixe, qui peut faire naître une énorme peur de la réussite ou une énorme peur de l'échec. Chaque jour, on peut être amené à dépasser des petits obstacles qui nous sont amenés sur notre chemin sans qu'on les ait forcément demandés. Même si dans le fond, je pense qu'on les a toujours un peu demandés, mais ça, ce sera un autre sujet. Donc en fait, on est capable de tout. On a des potentiels de ouf en nous. Et surtout, franchement, moi je pense que quand on est enfermé dans une peur et qu'on a décidé de vraiment, vraiment la transformer, de vraiment la transcender, de vraiment lui marcher dessus pour s'en servir comme levier, quand on n'a pas le choix en fait aussi de faire de cette manière-là, un peu cet instinct de survie qui parfois je trouve peut naître quand on est dans un sentiment de tristesse, un sentiment de colère ou un sentiment de peur, en fait il nous révèle. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'on a des potentiels et des capacités de ouf qui nous permettent de déplacer des montagnes si on le souhaite. D'accord? Donc j'espère vraiment que si vous ressentez ça, vous allez réussir à vous dire déjà que c'est totalement normal de ressentir ça. Chaque personne ressent ça. J'espère que vous allez réussir à transformer, à transcender, parce que je suis sûre que vous êtes capable de gérer, même si l'inconnu fait peur, une fois que vous y serez, vous serez capable de gérer. Il y a aussi une chose que j'ai envie de vous dire, c'est que souvent l'inconnu fait méga peur, normal. Et en fait, une fois qu'on y est, non seulement parce qu'on puise dans nos capacités et dans nos potentiels que l'on a tout le temps en nous, mais aussi parce qu'on se fait toujours une montagne de ce qui va être, alors qu'en fait, quand c'est en réel, c'est une colline. C'est une colline et en fait, cette colline, on l'a dépassée, mais en deux temps, trois mouvements. Notre cerveau, forcément, il s'emballe. Il s'emballe et il nous envoie toujours des trucs comme si on allait devoir monter l'Everest, alors qu'a priori, ça se trompe, on va devoir monter une colline qui fait 100 mètres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dites-vous ça aussi. Tout ce dont vous avez peur, tout ce que votre cerveau crée, c'est juste ce que votre cerveau crée. Ça ne veut pas dire qu'à l'instant T, quand vous serez dans cette situation, vous allez vivre ça. D'accord? La peur de la réussite et la peur de l'échec, elle peut être aussi hyper révélatrice. Si vous arrivez à être conscient du fait de ce que vous ressentez, avant de la transformer et de la transcender, vous allez peut-être vous
vous allez prendre en compte en fait toutes les conséquences qui pourraient potentiellement vous arriver si vous échouez ou si vous réussissez. Ok, vous avez pris conscience de ce que vous ressentez, du coup vous savez que potentiellement cela peut être une conséquence. Je vais pouvoir échouer ou je vais pouvoir réussir, et dans les deux cas, peut-être que je vais ressentir ça, que j'aurai ça à gérer. Ok, et là tout de suite en fait on met un plan d'action en place de si il m'arrive ça, qu'est-ce que je peux faire ? Donc même avant de se lancer, on a pris conscience des conséquences, on a déjà pris conscience de comment on pourrait rebondir à ce moment-là. Sans dire que votre plan d'action doit être hyper détaillé au détail près. Peut-être que quand vous arriverez, vous n'aurez pas besoin de mettre tout votre plan d'action en place et que la solution va se trouver hyper facilement. Mais vous voyez, ça prépare votre cerveau à se dire que, ouais, donc en fait, je serai en sécurité quand même si je suis là-bas. Ça n'empêchera pas qu'il ait un petit peu peur quand même, on est d'accord. Vous avez pris conscience des conséquences. Vous avez pris conscience de toutes les solutions que vous pourrez apporter si chaque conséquence s'amène à vous quand vous allez échouer ou quand vous allez réussir. Donc, vous êtes sécurisé. Donc le cerveau il se dit bah ok, même si ça fait peur parce que je sais pas exactement comment ça va se passer, je sais que s'il m'arrive ça, je vais pouvoir faire ça, que s'il m'arrive ça, je vais pouvoir faire ça, donc je suis sécurisée, donc on peut y aller. J'espère que du coup vous arriverez à faire tout ça. J'espère que vous allez pouvoir vous transcender, que vous allez pouvoir vous élever et que vous allez vous fixer des tas d'objectifs que vous avez pas osé vous fixer depuis je ne sais combien de temps. Et surtout allez à votre rythme, ok? On va à son rythme. Aussi, c'est normal de ressentir ce genre de peur. Peut-être qu'il y a des gens qui vont réussir à les transcender en deux jours. Peut-être que vous, il vous faudra deux mois. Tout est ok. Vous êtes le créateur de votre vie, donc vous avancez à votre rythme. Ok, il n'y a aucune inquiétude sur ça. N'oubliez surtout pas de vous étinceler. J'espère que cette dernière vidéo de l'été vous aura plu. Enfin, l'été. En réalité, c'est fini le 21 septembre. Mais on est d'accord qu'à partir de septembre, quand l'école a repris, on n'est plus en été dans notre tête. Enfin, dans ma tête à moi, en tout cas, ça se passe comme ça. Donc, j'espère que ce mois d'août aura été très beau. J'espère que votre rentrée sera aussi très riche. Je vous souhaite plein de bonheur, je vous souhaite plein de réussite et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao !